Fusion Compulsif, ici Redbox et on se retrouve pour une nouvelle vidéo épique, une nouvelle vidéo magique en 60 images par seconde et en 1080p et tout ça le même jour où... le même jour où je tourne la vidéo. Voilà, je cherche mes mots, excusez-moi, on reprend tout ça, on claque des doigts, et voilà, tout ça le même jour, donc je me suis lancé, comme vous l'avez compris, un petit défi. Vous tournez une vidéo de Hearthstone en 1080p, en qualité optimale, en 60 images par seconde, parce que maintenant YouTube, j'ai vu qu'ils ont fait une image, ils peuvent prendre du 60 images par seconde. C'est plus du 30 images par seconde, enfin c'était du 29 plutôt images par seconde. Maintenant, on est en 60 images par seconde et on est parti en 1080p, tout ça le même jour, à savoir que chez moi il est 19h30. 19h30, hein. Attendez, je peux vous prendre une photo? Attendez, je vous prends une photo pour vous prouver. On met le mot de passe, voilà. Alors, on prend une photo, allez, oui. Voilà. Allez, appareil photo, si tu veux bien venir. Attends, est-ce qu'on va voir dans la photo? Attendez, allez. En même temps, vous allez voir comment je tourne ma vidéo, voilà. Attendez, voilà. Vous voyez, 19h30, le Hearthstone et l'audio. On voit pas, merde. Bon, je prends la photo, je suis pas sûr de l'upload. Voilà, j'ai pris la photo, je suis pas sûr de vous la mettre, mais bon, si on... je verrai si on voit quelque chose. Donc, il est 19h30 chez moi, et tout ça en qualité optimale, je me suis dit, allez, je fais tout le même jour. Donc, après cette vidéo, je fais le montage, le rendu, et grâce à la nouvelle fibre, j'ai la fibre, oui les amis, on va pouvoir l'upload en instantané, quasiment instantané, c'est épique. Non, je... Bon, il fait chaud chez moi, il fait chaud, mon ordinateur chauffe, il est à 28 degrés, c'est pas grave, on s'en fout, oui, parce que sur mon ordinateur... on voit la température, bref, on s'en fout. On est parti. Alors, on est sur Hearthstone, un jeu totalement épique, hein, c'est juste un jeu de cartes. Vous le connaissez sûrement déjà tous. Donc, j'ai la musique en fond, comme d'habitude, je joue en musique. Hein, comme toujours, moi je joue en musique. Je suis un homme qui joue avec de la musique. Je suis un homme, peut-être pas, donc c'est parti. Alors, on regarde les défis, victoire, prêtre, ok. Chaman ou démoniste, détruisez les trucs. Bon, on va pas faire de trucs parce que j'ai envie de vous montrer du gameplay. On va pas faire de défis. Alors, parti. Alors, je joue pas beaucoup. Hein. Je joue de temps en temps et je suis pas, voilà, je suis pas très haut niveau. Hein. Je suis encore. Je viens juste de passer les poules là. Vous avez un petit poulet. Donc, c'est parti. Alors, je suis très excité aujourd'hui. J'ai envie de faire une vidéo excitante. Et bah, je vais en profiter parce que je suis tout seul chez moi. Et voilà, alors il fait chaud aujourd'hui, on est le 17-7, il fait extrêmement chaud. Mon ordinateur chauffe, vos ordinateurs chauffent. Et on est parti, on a trouvé un adversaire convenable. Et on est parti. On joue contre Rexha, un chasseur et voilà. Alors c'est parti. Alors on va essayer de se concentrer et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Alors c'est parti. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je vous avouerai. Qu'est-ce qu'on va garder? On va garder ça, une provocation. Voilà, on garde. Hein. Moi, j'aime pas changer dès le début. Je garde tout ce qu'on me donne. Ah, on verra ce que l'avenir nous réserve. Alors, on n'a rien. On passe notre tour au prochain tour. Si on n'a rien à deux, on va invoquer un petit renfort. On a quoi? On a rien. On a Wellou. On invoque un petit renfort et on passe notre tour. Ok, c'est parti. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Allez, joue ton tour. On est dynamique. On lui dit bonjour. On est poli, on a bien été éduqué, bien sûr, on a bien été éduqué. On est parti. Ok, il utilise déjà sa pièce. Ok, Raptor. Ok. Il nous invoque une bête. Une bête qui booste ses autres bêtes. Donc, elle faut la tuer. Il faut pas tarder. On va devoir venir la tuer. Allez, c'est pas grave, on prie pour qu'il n'ait pas d'armes, et on y va, voilà, on va attendre un tour et on va le lancer au prochain tour, si notre serviteur est encore en vie. Donc, c'est parti, hein. J'espère que mon commentaire vous plaira, on est plus dynamique que d'habitude, et on se fait enchaîner, on se fait gang bang. Alors, ok, on a notre arme, ah mince, j'ai mal joué, bon c'est pas grave,
On rocks, on tue sa bête et on enchaîne en fin de tour. Ok, c'est bon. Alors, il a l'avantage, on a 24 points de vie, il a 26 PV. On enchaîne, on va casser un peu du décor. On lui lance, puisque nous on est chaud, on lui lance des pierres. Allez, une pierre, non, il n'y a plus de pierres, il faut remonter. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met une provocation, il se protège. Est-ce qu'on a une provocation? Oui, nous aussi, on va pouvoir se protéger. On va pouvoir se protéger et on va garder notre arme pour plus tard. On va garder cette carte aussi pour plus tard et c'est bon. C'est bon, on est bien, on est chaud. On est au taquet. En plus, il y a une bonne musique qui arrive. Une musique qui va nous bouger. On est là, hein, c'est les vacances, on est heureux. Mon ordinateur est à 28 degrés. Oui, voilà. Bon, je vais vous prendre encore une autre photo. Allez. J'aime bien vous prendre des photos. Je ne suis pas fait ce commentaire, mais j'aime bien vous prendre des petites photos que je vous commente. Alors, voilà. On voit bien. Attendez, voilà. Bref, vous voyez ma tour. Vous voyez que le truc rouge, ça indique la température de mon PC. Ok, il se protège, il est full protection. On dirait qu'il a peur. Il a peur. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant ce tour? Alors, 3, on va pouvoir tuer cette provocation. En plus, nous, on va pas mourir, c'est une bonne nouvelle. Ok. On invoque ça à 4. Est-ce qu'on a un truc? Oui, allez. On blinde tout et on passe notre tour. Je vais attendre, voilà. On va attendre notre tour. Alors on a 22 PV, il a 26, on n'était pas 24. Oh, je sais plus, on a dû perdre des PV, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a fait. J'ai pas trop suivi le tour précédent, mais c'est pas grave. Alors, vas-tu nous lancer quelque chose de pas mal? Que fais-tu? Sois dynamique. Ah, inflige 3 points de dégâts, putain. Ah, il nous baisse fortement. Aïe. Il a toujours sa provocation que je vais pouvoir descendre avec... Ah, une consécration, on a notre compte. Mais bon, comme il a pas l'air de vouloir jouer... on va descendre truc avec cette carte. Oui, c'est très la France. Je vous l'admets. Ok, j'ai mal joué, mais c'est pas grave. On fait ça. Ok, là il est mal barré, il est très mal barré. On va tuer sa carte. Mais comment va-t-il tuer sa carte? Comment va-t-on tuer sa carte? Comment va-t-on faire? Dites-moi, cher ami. Non, voilà, on va faire ça. Voilà, comme ça on garde notre carte en jeu. Ah merde, il est pas mort. Aïe, j'ai mal joué. C'est pas grave, on est encore là, on est encore frais. On peut encore faire ça, et on peut faire ça. Oui. Voilà, et tu attrapes. Et on ne peut plus rien faire. Ok, c'est bon. Ok, on a joué lentement, mais on a réfléchi, on a utilisé notre cerveau. Allez, on va pouvoir l'enchaîner maintenant. Il n'a plus rien sur son côté du jeu. Il n'a plus rien. Ok, il n'a plus rien. Alors j'ai, ok. Rang de points de vie à tous les personnages. Je vous souris. Oh là là, ça me rappelle du Dofus, tout ça. Non, je rigole. Bref, alors, ok, une provocation à pouvoir se protéger. On va pouvoir se protéger, c'est excellent, cher ami. C'est excellent, on va pouvoir lancer peut-être la consécration. On lance la consécration. Oui, on va lancer la consécration. Non, on lance pas la consécration. On se booste et on rocks. Allez, on rocks, on garde l'avantage, on rocks. On tue pas son truc, c'est pas grave. Il n'a plus que 6 PV et nous 19. C'est bon, on a pris l'avantage. On va garder la consécration pour le prochain tour. Et on lance une recrue. On passe notre tour. Oui, voilà, c'est parfait. On passe notre tour. Ok, on est là, on est bon. Normalement, on le tue le prochain tour et on a gagné. Normalement, le prochain tour, on peut le tuer. Sauf s'il se met du protection. Alors nous, on a un peu de protection, on a pas mal d'attaques. Je pense qu'on a gagné là. Je pense pas qu'il va pouvoir remonter la balance. Je pense que ce combat est gagné pour nous. Il est gagné par Redbox. Redbox a gagné le combat. On va pouvoir gagner le combat. Hein. On a gagné le combat. Enfin, on va pouvoir gagner le combat. Car on a gagné le combat.
C'est totalement idiot ce que j'ai dit. Alors, ok, confère 2 points de provocation. Ok. Ok, là c'est juste des cris de désespération. Ok, il tue notre provocation, mais là il peut pas attaquer. On a gagné, cher ami. On lui dit bien joué. On lui dit bien joué. On invoque pour dire voilà. On invoque pour dire qu'on invoque. On invoque, on lâche même une consécration pour lui dire voilà, t'avais aucune chance. Cher ami, tu n'avais aucune chance. Et enfin, on le tue avec notre 9 d'attaque. Et on a gagné, oui. La victoire nous appartient, cher ami. Et on a gagné contre un gloom, hein. Gloom, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. On est cette femme très séduisante. La femme a gagné, elle est très séduisante. Donc c'est parti, victoire, victoire. Et donc voilà, on vient de gagner, on vient de remporter la victoire. Et voilà, donc on fait retour. Et sur ce tableau très joli, je vous dis à la prochaine. C'était Redbox, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.